Yo tout le monde, c'est Tiob. Épisode 25? Épisode 25 de notre campagne avec les Alain sur Rome de Total War. Alors. Oh, tout plein de beaux territoires. On avait commencé à conquérir un peu du désert. Et là, il y avait à prendre Guerra. Voilà, c'est ça. Alors, toujours pareil, on va voir si on peut devenir pote avec eux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah, ils étaient potes avec les Sassanides. Là aussi, et. On va voir. Alors me voici. Non. Dites ce que vous avez à dire et espérez que j'y trouve intérêt. Faire un accord commercial, hein. On va exiger un paiement quand même parce qu'ils nous aiment pas beaucoup apparemment. Oh! Ah, ils sont riches. Bon. Un peu compliqué là. On peut pas faire de commerce avec ça bas. La porte d'entrée vous est ouverte. Il veut pas. Non. Et notre peuple remercie. C'est pas grave, on a déjà. Pardon. On s'est fait des copains. Là, on va inverser les armées. Et les villes coyotes, on va les emmener à Guerra. On en profite pour faire un peu d'assassinat sur le passage. Je suis le poignard. Voilà, ça fait jamais de mal. Lui, on va l'emmener à Persepolis. Allez, les esclaves. Ah, ils ont beaucoup de bonheur, hein. Ça va pas être très très efficace, hein. Ça va pas se mentir. J'ai pas un autre espion quelque part là. Où est-ce qu'il est? Ah oui. Il est loin. On va amener là, ça permettra de voir d'ailleurs si ils montent une armée pour nous envahir. Les mots fléchés, ils sont là. On va échanger les cartes sur table. Ouais, j'ai pas envie de prendre une trop grosse armée pour défendre. Les brûleurs de yourtes. Direction. Il faut bien une petite embuscade en vrai. Ah ouais! Elle est chaud lui. Bon. Pardon, il nous manque un peu de portée, c'est pas grave. Ok, ici on va. C'est qui ça, général? Attends, est-ce qu'il est avec nous? Non. Ah, est-ce que tu fais pas partie de ma tribu? Voilà. Toi, tu ramènes de l'argent. Là, on est bien. On va développer. Ah ouais. Ah, il manque de l'argent. Ok, très bien. On va attendre un tour. Et on développera Bithynia et Pontus. Là, il faudrait qu'on bouclier. Ça, c'est pas mal en vrai. Faudrait qu'on aille aussi piller peut-être Palmyre. Ah non, non, on va pas. Ils sont bien où ils sont pour l'instant. On va pas se prendre le chou. Ok. Là c'est du recrutement. Ça m'intéresse pas trop. On va voir ce qu'on peut faire comme... Ordre public. Ah ça c'est bien.
Plus d'ordre public, respect des anciens. Et ensuite, on fera loi des steppes. Moins de banditisme, plus d'ordre public. C'est juste parfait. Ici, on a ça, c'est une exercice, hein, ce mage. Ah ouais, bah il a de la portée, lui, mon cochon. Hein. Il a sacrément de la portée, même, j'ai envie de dire. On s'en débarrasse, bien évidemment, on relâche. Est-ce que je peux revenir? Non. Donc, avec lui, on assassine le mage. Oh, il revient, quoi, salaud. C'est pas grave. Là, il remonte une armée. Hop, on assassine, hein, au cas où, ça limitera la progression de cette dite armée. Oh, oh. Ah bah on mettra ça pour le tour d'après, hein, le développement ici. J'ai pu lancer la construction de mon marché aux esclaves, ça rapporte énormément d'argent. Bon, ça rapporte aussi du négatif, mais... Beaucoup d'argent. Ok. Oh, je suis désolé là, j'ai tout ce qu'un peu ce soir là. J'espère que je vous éclate pas trop les oreilles. Qui es-tu, toi? Dégage. Voilà, on peut même s'occasionner le luxe d'y aller en embuscade petit à petit. Ça prendra quoi? 2, 3 tours? 3, 4 tours, allez, max. Quel luxe. Ne trouvez-vous pas le courage de rejoindre la guerre? Les monstres que nous combattons vous apporteront peut-être le malheur. On va demander un petit paiement quand même. Rome serait dûment reconnaissante si vous pouviez mener un assaut contre ces gens. Il ne s'agit pas de grand chose. Voilà. On vient de se faire 3400. Oh, ça c'est bon ça. Acceptez cette... Là, toujours pareil, hors de question. Pendant qu'ils s'amusent, rejoindre les... Non. Peut-être. Par contre, les Calédoniens... J'ai pas envie qu'ils se rapprochent trop. Grondé, et si vous l'acceptez... Eux, ils tomberont naturellement. On va se tenter sur une embuscade là. Un peu plus. J'ai pas vu, mais à Suze, il y a du monde. Ouais, j'en ai douté. Putain, les steppes dans le désert, quoi. Excellent, on aura tout eu. Hop, embuscade, le tour prochain, ça devrait être pas très très loin. Attention, bien évidemment.
Voilà, si ça veut attaquer, moi aussi je peux. Alors on pille. J'aimerais savoir si je suis donné perdant ou pas ici. On va s'essayer. Effectivement, on a donné perdant. Pas de chance. Ouais, si ça attaque là-bas, bah, je lèverai une petite armée. Non, on va continuer les conquêtes. Hein, écoutez. Ils partent de leur terre, bah j'attaque. Voilà. C'est tout. Fini ton vin, vas-y. Te plaise. Là, on va recruter. Ouais, ça coûte cher quand même. Il coûte cher par tour. C'est un risque que je prends. Allez, pas prendre de risque. Voilà, mieux vaut être prudent. Pire, on perd un peu d'argent. C'est pas non plus très très grave. Oula, bah dis, c'est tout cassé ici. Faire le tour là de toutes les constructions. Si on n'a pas oublié de faire ça. On en profite, on fait le tour. Ah, pas assez d'argent. Très bien, voilà, on aura fait un beau tour. On aura bien construit. Enfin, on aura bien lancé des constructions surtout. Hop, administrateur économique. Ça? Oui. Hop. Voilà, non mais on voit que la Bactrie emmène ses troupes en dehors de chez eux. Bah, du coup, c'est que c'est qu'ils veulent nous donner les territoires. Enfin, moi, je comprends ça, en fait. Ah, pareil. Hein. Là, ils quittent leur seule et unique ville, bah. C'est gentil de me simplifier la vie. Hein. Un ennemi en moins. Qui est en plus rapproché de chez moi. C'est tout bénéfique. Hein. Là. Hop, on va aller prendre un sandwich. Oui, c'est ça. Oui, pour les ancêtres, ouais. Bien évidemment, on relâche. Toi, aucun temps. Merci. Voilà, donc en plus de me concéder des villes, il perd ses armées. C'est quand même pas magnifique, ça. Je vous le demande. Bah, tu vas voler de la nourriture, toi. Puis je veux assister à l'école. Hop, un petit lac de pyromanie à gore, ça fera de la bouffe en moins. On prend Persepolis, hein. Il y a beaucoup qui aimeraient être à ma place. On se prive pas en pille, bien évidemment, hein, faut pas déconner. Oh, oh bah. C'est une belle journée.
Quel dommage alors. Il y avait du monde, dit. Oh, c'est fou. En tout cas, merci de sortir. Hein. C'est gentil, écoute. J'en demandais pas autant pourtant. Voilà. On en laisse un minimum en vie. Parce qu'il faut pas déconner. Et un petit dernier, hop là. Oh, t'as le pillage à 7000. Et puis on rase, on s'est fait de l'argent. Oh, purée. Oh les gars, on s'est fait des bijoux de famille en or, j'ai envie de dire. Hein. Là, c'est... Ah, bien évidemment, on va monter un peu le moral parce que... C'est quoi déjà, c'est ça? Allez. La tête de tigre. Les Sassanides, ils sont là, très bien. Ils tentent quelque chose. On va pas laisser tenter longtemps. Toi là. Hop. Allez, viens là. Recruter toutes les personnes possibles. Ici, oui, on dissout aussi les unités de mercenaires. Voilà, faut pas déconner, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Oui, maintenant que j'y pense. 3100. Oh, zut, alors, à chaque fois, hein. C'est pas de chance. Oh, que vois-je? Que vois-je, couille-je, qu'entends-je? Petite embuscade là, c'est pas mal. Oui. Voilà, allez, on va développer maintenant nos unités. Oh, ça y est, toi. Là, ça va être compliqué, on va pas se mentir, les gars. Hop là. Ça se passe pas trop mal. Là, les Sassanides, ça va être un tour important. Bingo. Il attaque avec une grosse armée. Une très très grosse armée. Peu de survivants, j'ai bien fait de prendre un général qui n'est pas très important. Il meurt de faim. Malgré ça, ça va être très compliqué là. Ils ont, ils ont de très très bonnes unités. Hein. Bon allez, je mène la bataille sur le champ, sera disponible en fin de vidéo. Ça va sûrement être une défaite, mais je veux que ça soit une défaite ou... défaite, enfin... Je veux qu'il ait une victoire à la Pyrrhus, quoi, qu'il puisse rien en faire. On a perdu, mais on lui a fait des très très bons dégâts. Hein. Voilà, il a bien perdu quelques unités d'armée. Plus de la moitié de son armée est tombée. Hein. Simplement. Donc là, en levant une armée à Nadrakata, ça devrait aller. Ça devrait pas aller du tout en fait. Hein. Ah ouais, il n'y a plus personne. Hop. Élever une autre petite armée ici.
trop le choix. Hein. Dès là, on n'a pas trop trop le choix. Mais bon. C'est comme ça. Avançons. À gore. On rase bien évidemment, on laisse rien. Au moins le minimum. Surtout les mages, on les assassine. Voilà. Toi, va faire un raid. Parfait. On va le laisser là quelques tours le temps que ça remonte un peu au niveau moral. Si j'ai fait une embuscade, mais ils sont partis, ils ont eu peur, je suppose. Ah oui, j'ai oublié ce détail. Oh, pardon. On n'a pas la portée. On a la portée pour là. Eh ben on va y aller. Ah ben on n'avait pas la portée pour là. Hein. C'était un mensonge. Ah. Hop. On est comment là? Non, on est bien. On va pas aller plus loin. Développer, on peut développer. Allez, hop. On aura pas mal avancé. On aura conquis toute la Brabeia Magna. Toute la Persis. Hein, ouais, toute la Persis. Et voilà, dans les prochains épisodes, là, faudra finir les Sassanides. Ah, j'aurais dû commencer par là. Je pensais qu'il restait beaucoup plus de. Beaucoup plus d'armées ennemies, c'est pas grave. Hop, là ici. Bon, j'ai pas assez d'armes. Voilà, donc prochain épisode. On va se mettre bien. Voilà, allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao. C'est parti. Alors, déploiement. Ok, on est sur cette map là. Très bien. On a un avantage déjà. Dégagez. J'y verrai purée. La vache. J'y verrai un peu plus clair. Là, on a les boules de feu. On va pouvoir les lâcher. C'est cool. Hop. On met les chevaux de frise. Comme ça. Et. Et nos pièges. Voilà le but. C'est que ça touche. Ok, ici. On met nos unités légères. Voilà, les archers derrière. Je sais pas s'ils vont vraiment toucher les archers. Ça risque d'être compliqué. Je sais pas où les mettre. J'hésite à les mettre de traviole comme ça. Tenter. De ce côté-là, si vous le dites. Notre cavalerie lance projectile. Ici, derrière notre cavalerie de mêlée, hein, pas trop le choix. Allez, commençons. Faudra faire attention, bien évidemment, on sait qu'il y a des renforts derrière. Allez, au ralenti.
bien nos archers qui font feu. Je veux pas lancer les boules de feu trop tôt, ni trop tard, faut vraiment lancer au bon moment. Allez hop. Ça devrait être pas mal. Hein. C'est pas si mal, ah c'est parti totalement de travers, putain. Ça c'était moche. Hein. Allez, je vais au corps à corps, bien évidemment. Un petit coup de draco. Voilà, comme ça, toutes les unités ennemies, elles seront dans le mal. Ils ont le porté ou pas ici? J'ai pas l'impression. Ah, faut pas se faire attraper ici, là non plus. Très bête. J'ai un mec qui vise à fond le général ennemi, moi par contre. Ah, j'ai pas. Je suis pas mieux. Allez, on va essayer ça. Normalement, ça devrait avoir une meilleure position de tir. Ouais, clairement, il n'y a pas photo. Là, il y a une meilleure position de tir sur eux. Hop, allez, on tire là. Allez, tirons un maximum, voilà. Si on peut leur faire des pertes, ce sera pas une mauvaise chose. Voilà, il en arrive encore, hein. C'est compliqué là. Arrête-toi. Ce serait bien qu'ils puissent faire une salve avant qu'ils arrivent au corps à corps. Au moins faire un mort. Aucun. Aucune victime. Là, c'est dur. Là. Cavalerie moyenne, je vais les envoyer contre la troupe légère, là, derrière. J'ai pas le choix. C'est qui, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, là? Oh. Je décale là. Là, vu qu'il y a une ouverture, je pourrais tirer de manière beaucoup plus sécurisée. Sans vraiment craindre pour mes unités, quoi. Oh la vache. La charge là sur les deux, par contre, elle aura fait mal. Très bien, c'est parfait. Non, peut-être. Voilà, je sais pas là si on a un meilleur angle de tir ou pas. Pourquoi je suis pas venu? Pas du tout. Pas du tout, même il tire sur mon général, c'est cool. Ça. Attention derrière, cavalerie de choc lourd. D'aller contre les chameaux, on va voir ce que ça donne. Donc on a récupéré le point, là ça c'est bien déjà. Là, ça donne quoi? Ça donne qu'il y a pas mal de pertes de son côté. Attendez, ça par contre là si on peut tirer dessus gratuitement,
une victime avec deux victimes, pardon. C'est vraiment que dalle. Ok, là ça se passe bien. Attendez-vous là, va falloir être efficace les gars, hein, je vous dis, c'est un tir à mort, sinon vous êtes foutus. Bon. Allez, on lui augmente son moral là, faut pas dé... Ils ont tout esquivé ou... Ouais, là, ça va faire mal. Ah là là, ils se prennent ça en plus, allez, 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 allez là. Sérieusement? Pourquoi t'es con? Pardon. Un peu quand même, hein, les gars, comprenez-moi, regardez. Ils sont en mode... j'ai une maison. Bah, tu l'as pas vu, la maison? C'est pas comme si ça bougeait, bordel. Ah, putain, double... Ok, j'avais pas une troisième. Ouais, voilà. Là. Bon, ça fait de la perte chez les ennemis, au moins. C'est pas une mauvaise chose. Très bien, ça très très bien, on a réussi à jugler. Hop, les archers royaux aux amis, d'aller hop. Hop, demi-tour avant qu'ils nous rattrapent, ça peut aller très très vite. C'est là-bas où ils m'attaquent là, ouais mais... J'ai pas la, peut-être pas la portée, hein. Pas les cieux. Cavalier royaux. Allez. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il a plus de munitions. Cavalerie. Hop, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ouais, je vais faire le tour avec eux là. T'as extrêmement lourde, mais. C'est rapide, hein. Pour du extrêmement lourd. Allez, on tue, s'il te plaît. 46, 45. C'est doucement le matin, pas trop vite le soir, mais... Voilà, encore et toujours cette putain de maison. Hein. Il se bloque vraiment sur une maison, les gars, quoi. Allez, allez, là, on s'approche, les gars. Ah, ça pue, là. À cheval quoi. Alors là les gars là c'est pas bon. Ok on feinte là. La feinte se passe bien. Charge pas, c'est une feinte. Voilà, on veut juste laisser les Skyri ne pas savoir quoi faire entre d'un côté ou de l'autre. Voilà, là on charge. Et on se barre vite. Vite, t'as bien grand mot. Vu qu'ils sont pas très doués. Hein. Nous comprenons. Toujours loyaux. Ouais, c'est ça, fais tes charges frénétiques, toi, ta formation d'aimant là. Ce qui ne sert à rien. Hop. Bon, en général, ça se passe comment? C'est compliqué là de ce côté-là. Hein. Ça, ouais, on est arrivé au bout de nos unités là. Cavalerie.
Et vous là les gars, c'est vous qui... Putain, ils ont plus de munitions. Alors, ce sont eux deux là qui ont plus de munitions, très bien. De chaque côté. Voilà, eux c'est quand tu veux. Là. Ah putain, là ça fuit. Ouais, il est général, hein, mais bon, il est foutu. Hein. Allez, on va essayer d'en tuer un maximum, là, on revient. Cette salve qui m'a mis, c'est sale. Mais non, mais non, ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, là. Allez, corps à corps, toi, t'as pas le choix. Vous entourez avec un peu de chance. Je sais pas trop ce qui va se passer. Ouais, c'est la défaite. C'est la défaite, mais... C'est une belle défaite. Il a perdu une grosse moitié d'armée, dont des bonnes unités. Bon, c'est pas si pire.